Lamotte Lavoisier qui reçoit 3 balles avec Madame Niki, c'est Farah Martine Lérisson qui prend 4 balles. Fondi tout gagne un petit garçon et victime dans Laurent Lavoisier qui prend balle tout et qui t'a mouru sous cabane d'hôpital. Et Mounsa yo mouru malgré diligence qui était faite pour bon côté voisinage pour t'a mené à l'hôpital. Gagne un gardien Kailan tout qui blessé pendant attaque là. Action ça passé dans rue Akwalo. Gagne juge de paix avec la police en Pétionville qui t'est rendu sous place pour venir faire constat. Attaque là d'après porte-parole la police là Michel-Ange Lejeune qui dit une disposition qui prend pour capable mener enquête sous et Zach ça qui passait hier au soir on nous suit précisionné dans Peggyville et plus précisément dans rue Akwalo numéro 28 il y a un incident que ingénieur Lamotte Lavoisier 56 ans madame ni Farah Martine Lérisson 49 ans t'as pas la victime côté bandit armé dans domicile et tiré à bout portant sur yo yon prend 4 projectiles et l'autre la 3 malgré diligence yon voisin qui était couru conduit yo dans un centre hospitalier mais il pas pas mourir tous les deux et parmi yo gagne garçon la couyo qui les gens Louito qui t'a touché de un projectile gagne juge de paix suppléant de Pétionville Dieu donné Fidelito qui t'a constaté ça et c'est ça que la justice de paix avec la police dans Pétionville laissez nous gagner comme information. Avait dit ni monsieur ni dame tout de mourir. C'est ça que la justice avec la police permet nous gagner comme information. Dans quelle heure ça passé? Aux environs de 8 heures. Agent sécurité dans quel état santé lié pour connait? Nous pour gagner donner sur état santé monsieur mais il pas mourir tout hier soir pour l'instant et nous pour gagner information sur état sécurité. Mais un fait est certain c'est que plusieurs équipes spécialisées dans la direction centrale police judiciaire pas de temps pour arriver sur place pour te recueillir des informations pour permettre que enquête te ca et sous dossier ça et pour capable arriver faire lumière sur situation ça donc jusqu'à présent la police a continué compiler données pour permettre que lumière faite sur situation ça nous gagne comme information fait comprendre que fait ça arriver devant deux servantes qui étaient présents et un petit garçon yo qui était présent devant Senza. Un fait est certain c'est que la justice avec la police prend des dispositions j'en dis là pour enquête la continuer et puis accompagner famille yo petit yo monde qui était présent sous Senza pour bailler accompagnement psychologiquement faire ouais des spécialistes qui capable accompagner yo puis capable de supporter sur les drames ça c'est très malheureux l'arrivée mais n'a metté tout ça nous gagne à disposition non pour permettre que nous river épingler sauver monde qui t'a gagne pour être de près ou de loin à un drame pareil. Dame ça au passé et la police de CPJ et gagne contrôle cas là ça veut dire c'est vente et timonio qui côté pour qu'on y a. Il y a des lieux sûrs mais la justice avec la police et dans Pétionville a toujours gagne contrôle monde ça yo pour permettre yo même qui était vive de ramenan qui ouais ça passé a capable bailler première information yo pour enquête la capable faire ou. Voilà, déclaration pour la police, pour porte-parole, PNH a fait matin concernant et ça et qui passe là. Donc, on a rappelé qu'il y a 3 personnes qui sont mortes. Donc, dans l'attaque qui fait dans Peggyville, dans la rue Akwalo. Mais 3 personnes, c'est un monsieur avec toute Madame Lee, ingénieur Lamotte Lavoisier, avec Madame Lee, Farah Martine Lérisson, et puis il y a un petit garçon, Laurent Lavoisier, qui est mort, madame, qui était donc mort sous place, et monsieur a quitté mort sous cabane l'hôpital, et gagné tout, et gardien Kaila qui blessé pendant attaque ça qui fait sous et famille, ça, ministère culture à communication, d'Ili, et après nouvelle là, appelle scandalisé et les choqué tout, face à l'assassinat ça qui fait sous et famille là, et le palier particulier, et écrivaine Farah Martine Lérisson, ministère culture à communication, d'Ili, apprend ça avec un pile émotion et consternation tout, circonstance qui est arrivée dans et conduit à la mort, madame et Farah Martine Lérisson, et puis Marie-Li, et petit Lito, la caille privée, yo, assassinat madame Lérisson, qui c'est professeur et littérature, et on a et voix qui est habituée dans la question poésie, une attristée monde littéraire haïtien après notre sac est sorti dans le ministère culture et communication qui dit condamné à toute force Zaksa. Il demande pour autorité compétente pour toute disposition nécessaire pour qu'elle prenne justice avec et mémoire Madame Lérisson et famille avec ministre culture et communication tout qui dit dans nos article 19 code instruction criminelle et comme défenseur artiste et écrivain sollicité directement
et concours la justice dans le pays d'Haïti pour capable et faire ça qui doit faire face avec un crime ça et qui fait là par Martine Lérisson qui était des lions et famille éplorée d'après et notre monsieur culture qui était présenté condoléances li by famille amis avec et proches et famille ça n'a parlé de qu'on y a arrestation qui fait hier lundi à bien bonheur et sous présumé chef gang Jutnan Saint-Cyr alias Papito Camelo qui qu'on a terrorisé population dans zone département sud là depuis quelque temps et chef gang ça une arrestation grossier pendant opération tête collée qui était menée entre commissaire gouvernement au Cala maître Ronald Richemont en collaboration avec agent Utmo département l'ouest yo détail avec Anse Jean-Louis. La police n'a grossier l'ouest pays dans tête collée avec chef paquet au Cala Ronald Richemont dans cadre opération bien bonnet matin lundi 15 juin dans grossier rivé mettait main en collette présumé chef gang tout puissant Jude Saint-Cyr alias Papito Carmelo qui t'a opéré dans sud pays depuis quelques mois après opération chef paquet au Cala Ronald Richemont montre satisfaction li gagnent et fait qu'on est tout la justice avec la police plus que déterminé pour mettre des barreaux tout bandi cap semer la troublaille avec des dans mitan population. Aujourd'hui là pour moi remettre population Kaïn, pour remettre population sud là une gros bandit que qui t'a fait l'appui des boutons qui t'a terrorisé population qui établi basé l'autre bord d'eau donc on est depuis après les tentatives que nous avons fait derrière lui tout aéroport donc nous sommes allés réfugier lui et graisser et nous avons des informations matin bon 1h du matin nous avons débarqué avec Oudmo l'ouest juge de paix nous avons débarqué dans Kaïla et nous devons monsieur à madame lui appeler procéder à l'arrestation monsieur gagne plusieurs chefs d'accusation contre lui donc son nèg qui participe dans plusieurs braquages nèg c'est lui même qui t'a tué lui nèg je t'ai mouru quoi qu'a chemin hein. Tout dernièrement la Kazek là qui te prend balle et que tu fais cambriole sur là nèg yo relé américain qui a vendu dans marché jeudi là donc monsieur bon on charge accusation sous dol donc nous prenons nous même pour nous déférer monsieur devant la justice pour nous plaider comme ça doit et pour monsieur prendre sentence bien qui a fait quelques armes moi monsieur nous amlan des gon l'autre collègue c'est élitant qui des vendre amlan pour bosser ça monsieur dit faut que nous souligner présumé criminel là gain plusieurs chefs d'accusation qui a pesé sous dol parmi yo implication présumé li dans la mort ak balle plusieurs citoyens dans ville là pendant dernier mois ça yo pour connait là présumé a tout fait ça dans main la justice dans juridiction au caï pour répondre question sous acte yo reproché yo Hans Jean-Louis depuis ville au caï pour vision 2000. Merci et Anse Saint-Jean-Louis dans cap haïtien gagne autorité et la police la mairie avec TPTC qui est écrasé plusieurs dizaines de cas qui trouvent dans zone quartier Chada ça passait à lundi hier et décision ça prend quelques jours après manifestation violence qui dégaine entre la police avec un bandit alors affrontement qui dégaine entre la police avec un bandit dans quartier ça qui était la cause gagne en valeur 10 monde comme ça qui était perdu la vie parmi eux te gagne un agent Utmo une initiative diverses en population dans deuxième ville pays et saluer en suivant détail avec Jean-Claude Paul. Autorité yo dans la mairie TPTC avec délégation noire mettait avec la police pendant journée lundi 15 juin 2020 ça démoli à gros matériel lou plusieurs dizaines caill dans quartier populaire Chadadé côté bandi ami yo te commettre dernier acte violence semaine passée a n'a faut songer qui te cause presque une dizaine monde perdu la vie yo parmi yo yon agent Udmo Laous Joseph environ une dizaine blessé avec plusieurs dizaines caill qui te boulé tout. Autorité yo pas qu'on fait pièce déclaration officielle concernant caill habitant Chadadé yo yo commence écraser a cependant d'après un source nous a fait confiance, c'est pas tout quartier Chadadé a, il y a crasé caillou, mais autorité yo prend décision pour craser certains cailles qui permettent yo joindre espace pour faire rire, pour permettre moun circuler libre et libre et permettre tout la police qui a fait intervention dans zone ça sans problème les ça nécessaire. Majorité mon en tout cas vision 2000 interrogé applaudit décision autorité yo prend. Et après initiative là qui quelque part puis devant cabaye bon pour société a, parce que depuis belle lurette son zone vraiment t'est attiré trop moun qui pas correct. Donc je vais parler là où est son bon bagage. Oui, quelque part des monde qui victime. Ça c'est bon bagage tout même mais son bon bagage. Je ne veux dire ça l'étape. Ça l'étape point mais bien content parce que nous mêmes jeunes qui vivent même les n'a souffri. Les nous mêmes n'a souffri. Bon paquet de bagage nous mêmes n'a pensé, nous pas réaliser, nous pas réaliser mais ça n'a vivre là dedans voulu. Nous vivions parce que nous vivons. Nous vivons bien. Même là, nous sommes en misère, nous sommes perdus, c'est vrai. Bon, ça a fait la journée aujourd'hui. Ça a passé dans le chat là. Nous-mêmes, nous devons analyser ça. Nous ne pouvons pas gagner un groupe de bandits qui campent en face au peuple.
puis quand on passe au peuple qui investit au pays marché, d'accord, peuple là d'accord. Même Mounsa yo quoi tout, si autorité yo sérieux dans décision yo prend là, en pile caille dans l'autre quartier populaire qui construit mal yo, yo ta dû profiter craser yo pour résoudre problème construction anarchique là dans deuxième ville pays. Jean-Paul Capaïtien.